par le haras du bout de haut. Alors le haras du bout de haut, c'est dans le nord, à Cormont, c'est Xavier Presse, le patron de l'Étron. C'est pas l'Étron, par ailleurs. Par l'Étron, c'est partout des décisions. D'ailleurs, tout le pédigré de cette raconteuse témoigne de cet esprit de polyvalence, d'ouverture d'esprit. En effet, raconteur de père a gagné deux courses en obstacle après avoir pris les places en plat. Et après, il a gagné deux courses d'endurance. Voilà, il est parti du plat après l'obstacle et après il est passé directement dans le jeu de l'endurance. Là, ça se dit. La mère page 2 par un grand marqueur en Arctique, à 14 ans d'obstacle, nous présente ici son premier produit. La grand-mère s'appelle Page de Garde. Premier top, jolie page, sur notre 3. On reconnaît bien là l'esprit littéraire. La journaliste n'est pas trop presse, telle que l'est David Bress. Et c'est raconteuse ici, qui est née le 3 avril, qui se présente devant vos yeux ébahis, et qui possède le taux Angloara minimum pour être qualifié en tant qu'Angloara, 12,50%. Bref, il y a des fois qu'il était réalisé aussi compté. À 12,49, elle serait à UPS. Mais non, elle est bel et bien anglo, et c'est la façon qui est pour participer à ce cours, le grand champ de la thèse de l'UNIMA, ici le Romain, le maître, bien sûr, par ma culture. Très élégante, raffinée, distinguée, une belle raconteuse que je vais vous proposer aujourd'hui, avec le numéro 83 par le haras du bout de haut, Xavier Libresse, qui nous vient de dehors. Merci.